16 septembre 2020, 16h55. On peut dire qu'au moment précis où la jeune Léa essaya son troisième maillot de bain, le temps s'arrêta dans l'appartement de Cléa, un peu comme quand le Big Bang anéantissait les dinosaures de Jurassic Park. Vous savez, avec la glace et le petit écureuil courant après un gland sans jamais s'arrêter. Jusqu'à maintenant, tout le monde se moquait de moi quand j'affirmais haut et fort que les filles pouvaient pisser debout comme nous. Mais là, au troisième maillot essayé sans honte ni gêne par Léa, je constatais avec surprise qu'elle ne disposait pas de l'organe qui pendouille, comme nous les garçons. Je comprenais enfin les paroles de Trois Fromages au sujet du petit Jésus invisible des filles qui ne devait pas être confondu avec le malheureux Jésus aux mains trouées, celui trahi par Gida. Heureux d'en savoir un peu plus sur ce monde mystérieux, j'aurais voulu vite annoncer la bonne nouvelle aux frérots du boulot, mais j'estimais prudent de ne pas provoquer notre chef du Burger King.